Quelques jours nous séparent d'un nouveau championnat africain que nous cherchons à remporter pour maintenir notre suprématie sur le continent africain et poursuivre notre compétition internationale avec le Real Madrid. Bienvenue sur Al Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade Al Ahli Oui et Salem. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. La Confédération africaine de football a fixé la date du super match africain qui opposera El Ahli et le club marocain Raja et qui aura lieu le 22 décembre prochain. El Ahli vise à remporter ce championnat qui sera le 24e dans son histoire, afin de réduire l'écart qu'il y a entre lui et le Real Madrid, qui détient un record de 26 victoires sur son continent. Et sachant que nous parlons de concurrence mondiale, El Ahli attend toujours de voir que l'incohérence des dates de matchs qui s'interposent soit résolue et ce. Concernant les matchs du championnat d'Afrique et de la Coupe du Monde des clubs, le club a d'autre part remercié à travers un communiqué M. Ahmed Megahed, le président de la Fédération égyptienne de football, qui a promis que ce problème de match qui s'interpose soit résolu et que le club jouera ses matchs internationaux avec tous ses joueurs, sachant que nous cherchons à réaliser mieux que la troisième place dans cette Coupe du Monde des clubs. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.